Alors j'ai envie de dire oui et non, ça va dépendre des projets. D'abord, pour vous dresser un peu le décor, le groupe SNCF a des activités très diverses dans tout ce qu'on fait sur l'innovation. On adresse concrètement trois grandes thématiques. Des thématiques clients, on va retrouver des sujets de nouvelles mobilités, de mobilité partagée, d'analyse des flux, d'expérience client. Ensuite, un pilier de thématiques d'innovation autour des collaborateurs et la manière où le digital et l'innovation transforment les métiers de terrain, de maintenance des trains, des gares, des infrastructures. Où on va retrouver entre autres des enjeux de dématérialisation et puis enfin toute la dimension supervision des équipements industriels avec le big data et l'internet des objets. Alors plus concrètement, si on regarde ce que ça génère comme rentabilité, très clairement il va y avoir des enjeux de transformation, un ROI sur la performance industrielle, financière, mais aussi la qualité de vie au travail des agents, la satisfaction client. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un ROI qui est à la fois quantitatif et pas quantitatif. Et donc il faut voir ça dans l'intégralité de ce que ça produit.